il y a un Fab Lab là, juste en haut là. Ici, il va y avoir de la lumière qui va rentrer. Là, il va y avoir un café bistrot citoyen. Quoi d'autre? De l'escalade dehors par là, dans une nouvelle construction. Enfin, c'est extraordinaire. Ce soir, c'est le lancement officiel, si on veut, de ce projet. Ça parle, ça échange, il y a des questions, et c'est ça qu'on veut. C'est retrouver cette ambiance, ce lieu intéressant, vivant. C'est un projet qui a émergé, les promoteurs et les citoyens, et nous, notre travail, c'était d'être à l'écoute de ce projet qui a émergé, ensuite de l'articuler pour tout le monde. Donc, un rôle en quelque sorte de hôte de processus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait concrètement? Nous avons parlé beaucoup avec les citoyens et les promoteurs. Mais j'ai assisté là à la présentation des plans qui permet de repenser l'espace de manière complètement différente. Et là, je vois une énergie, un dynamisme qui est assez impressionnant. Un processus qui pour moi fait du sens du côté de la créativité, mais aussi qui se trouve confronté à du réalisme au niveau des finances, de comment on monte le projet, comment on transforme une utopie finalement en action. En fait, je suis très impressionnée. Je me demandais si le discours de participation citoyenne, c'était plus de la rhétorique que vraiment quelque chose de réel. Je dois dire que je suis très rassurée. Je suis très contente de voir qu'il y a beaucoup de gens qui sont là. Et puis, je sens vraiment un désir là, que ce ne soit pas juste les promoteurs, les quatre organismes promoteurs, mais que les citoyens aient vraiment une place centrale. Il faut le dire, il faut l'avouer, je suis surpris, il y a beaucoup de monde. Et je pense que ça veut dire que tout ce qu'on a fait, ça a convaincu beaucoup de gens. Ben, je suis contente de voir du monde. Il y a des gens importants comme François-David aussi, le maire aussi. Alors, tant mieux. C'est pas juste une affaire de promoteur, mais c'est une affaire aussi où est-ce qu'il faut absolument que les citoyens s'impliquent dans ce projet-là. C'est la viabilité, selon moi, de ce projet. Nous venons officiellement de fonder ce qu'on pourrait appeler un cercle citoyen qui va accompagner les différents promoteurs dans le cheminement du projet. Autant à l'idéation, à la réflexion, qu'à la mise en place et qu'éventuellement à la gestion au quotidien. Donc, bienvenue à tout le monde pour se joindre à ce cercle des citoyens. L'église qui a requalifié au Québec, c'est un enjeu majeur quand même. Plusieurs gens vont le mentionner, c'est ambitieux comme projet. Comment est-ce que ça va se évoluer dans le temps, si on veut? Ça, c'est sûr qu'il y a une certaine inquiétude, comme dans n'importe quel projet social, communautaire. Bien, c'est une belle salade de fruits, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. C'est le fun d'avoir un espace comme ça. Il n'y en a pas vraiment ici. C'est un endroit qui regroupe le monde du quartier. Puis comme Thaïs, je me demande vraiment comment ça va être financé. Les gens ont l'air très inspirés par le projet. Que je vois, ils se demandent, c'est sûr, est-ce que ça va vraiment prendre forme? J'ai l'impression que les gens, ils ont un but en commun. Ça se sent juste en rentrant dans la place, je trouve. C'est vraiment accueillant, c'est ouvert, c'est chaleureux, vraiment. J'ai juste besoin de voir des enfants courir dans une église puis sur l'autel sacré. C'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais vu au Québec en comme 60 ans. Il n'y a pas place au pessimisme après ça. Je pense que les gens comprennent que ça résonne vraiment avec l'espoir qu'on avait mis dans cet espace public du 21e siècle. Maintenant, il reste encore beaucoup de travail à réaliser, mais c'est certain qu'on est quand même très, très, très content de voir que les gens ont répondu présent et que tout le monde est là ce soir. Si c'est pour le travail ici même, je suis prêt à aider, à collaborer pour que chacun et chacune en ait son profit. Longue vie à Saint-Marc, puis à tous les gens qui imagineront ce lieu vivant